الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صلوا على النبي On a dit jusqu'à maintenant qu'on doit adorer notre Seigneur comme il aime qu'on l'adore. On ne doit pas l'adorer à la carte selon ce que nous voulons. On doit l'adorer comme il veut. Pareil, on a dit, on doit l'adorer car c'est lui le maître, c'est lui le créateur, donc on doit l'adorer. Et on doit l'adorer pour remercier. Et surtout, on doit l'adorer parce qu'il mérite d'être adoré. Selon les hadiths et les versets du Coran qu'on a, tout ça, ça a été indiqué, ça a été dit dans des versets du Coran ou dans des hadiths. À propos du remerciement, Dieu dit « وَلَنْ شَكَرْتُمْ لَزِدَنَّكُمْ » Yannis, si vous, vous me remerciez, je vais vous augmenter mes bienfaits. Vous savez, le bienfait de Dieu, il n'y a pas que sur cette terre. Le vrai bienfait de Dieu, c'est après le akhira. Vous savez combien le hadith qui dit si on décompose le rahmat de Dieu en 100 parties, seul un seul partie que nous avons vu jusqu'à maintenant, avec tout ça qui existe, avec l'amour maternel que Dieu a mis dans la création de la mère, et tout ça, c'est avec un seul rahmat. Il reste encore 99 rahmat que nous allons voir. Ça, c'est après le jour du jugement, il y aura des choses impensables à propos du rahmat de Dieu, miséricorde de Dieu. Donc Dieu dit, si vous, vous me remerciez, Inch'Allah, je vais vous augmenter mes bienfaits. Par contre, si vous ne remerciez pas, inna la ganiyun ankum, ou inna la ganiyun anil alamin, ou inna azabam, il peut y avoir aussi le bas de colère de Dieu derrière. Si vous ne remerciez pas, il y aura... On risque d'avoir cette colère de Dieu sur nous. Bon, comment on peut remercier Dieu? Déjà, on dit « Shukran lillah ». Ça, c'est au niveau parole. Mais au niveau action, comment on peut remercier Dieu? Bon, selon les hadiths, tout ça, la façon qu'on peut remercier Dieu, par exemple, Dieu nous a donné les yeux, donc la façon qu'on remercie Dieu, c'est qu'on l'utilise là où Dieu nous a dit de l'utiliser. C'est ça le remerciement. Dieu nous a donné les yeux et Dieu nous a dit ne regardez pas les choses haram. Donc si nous voulons remercier Dieu, c'est de ne pas utiliser ces yeux qu'on a dans des choses haram, dans des choses interdites. C'est ça, remercier Dieu. Oui. Dieu nous a donné la main. Donc la façon qu'on remercie Dieu, c'est qu'on l'utilise là où Dieu il a dit. Ne frappez pas, ne tuez pas, ne volez pas. Voyez, ne faites pas des choses haram avec. Si nous voulons remercier Dieu, nous devons utiliser tous ces ni'mat que Dieu nous a donné dans ce qu'il nous a dit d'utiliser. Oui. Nous devons utiliser la main pour aider les gens parce que c'est Dieu qui a dit. Nous devons éviter d'utiliser la main pour tuer parce que c'est Dieu qui nous a rendu haram. Oui. Donc si nous voulons remercier Dieu, le vrai remerciement c'est d'utiliser le ni'mat qu'il nous a donné là où il veut. Comme il veut que nous l'adorons, comme il veut, comme il aime, nous devons aussi utiliser tout ce qu'il nous a donné dans des endroits où il nous a permis de l'utiliser. Voilà. Imaginez un peu, vous donnez par exemple 2 000 $ à un pauvre pour qu'il puisse manger. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le 2 000 $ et il va aller faire quelques nuits sympathiques dans des nightclubs par exemple. Il boit l'alcool. Est-ce que vous allez être content? Donc pareil, Dieu nous a donné tout ça, c'est pas pour qu'on s'éclate. Hein, pour qu'on l'utilise contre lui, hein, pour qu'on l'utilise pour faire du mal. Pareil, Dieu dit, vous n'avez pas remercié Dieu, selon des hadiths qu'on a de nos ma'soumines, vous n'avez pas remercié Dieu si vous n'avez pas remercié celui par l'intermédiaire de qui vous avez eu cette ni'mat, ce bienfait.
Oui. Donc je dois remercier mon frère par rapport à qui j'ai eu ce ni'mat. Oui. Ça, c'est façon de remercier. Pareil, Dieu il a dit, si vous voulez m'adorer, adorez-moi avec sincérité, avec ikhlas. On a ce bas de ikhlas derrière. Ikhlas, on doit être sincère, on doit vouer ce culte qu'on est en train de faire uniquement pour Dieu. On ne doit pas mélanger parce que ikhlas, ça vient du khalis. Khalis, il est pur, qui n'est pas mélangé. Donc, tout ce que nous faisons au niveau adoration, nous ne devons pas mettre une autre personne dedans. Vous voyez ? Je vais vous donner un petit exemple. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Un petit exemple. Souvent, les ulama de Akhlaq disent ça, qu'il y avait un monsieur, il était en train de faire sa prière dans un endroit où il était tout seul. Donc, la façon qu'il a fait sa prière, c'était bâclé. Parce qu'il était tout seul, personne ne voyait. Vous voyez ? Donc, il a fait la prière bâclée, vite fait, mal fait, et tout d'un coup, quand il était en train de faire la prière, il voit, il entend la porte qui s'ouvre, le bruit du porte qui s'ouvre. Donc, il comprend qu'il y a quelqu'un qui est rentré. Donc là, il se dit, tiens, il y a quelqu'un qui est rentré. Et donc, dès qu'il a compris qu'il y a quelqu'un qui rentre, il commence à faire le salat de Ayatollah. Allahu Akbar, Bismillah, la façon vraiment nickel, quoi. Donc il a fini son salat et il regarde en arrière comme ça, il voit que c'était pas un homme mais c'était un chien qui est rentré. Donc il a fait son salat pour le chien. Donc pour avoir le ajr, pour avoir le tawab, pour avoir la récompense de ce salat, à qui il doit s'adresser? Est-ce que c'est Dieu qui va lui donner? Dieu va lui dire, toi tu as fait cette prière, la prière que tu as fait c'était pour le chien, donc va prendre ce que tu mérites avec le chien. Oui. Donc l'ikhlas c'est ça. L'ikhlas, ça veut dire que nous devons faire uniquement pour Dieu. Ce n'est pas pour montrer aux gens. Vous voyez, quand je suis tout seul, je le bâcle. Et quand il y a des gens, je deviens le meilleur de récitateur du Coran, par exemple. Vous voyez, il y en a pour montrer aux gens. Et donc Dieu dit, c'est lui qui fait ses ibadat en montrant aux gens, le jour du jugement, il va aller chercher ses récompenses aux gens par rapport à qui il a montré ce ibadat-là. Dieu va dire, va aller chercher ta récompense là-bas chez la personne là-bas. Oui. Et c'est parmi les personnes qui vont être maltraitées les jours de jugement parce que finalement il a fait la prière mais ce n'était pas pour Dieu. C'est un effort pour rien. Et il n'aura pas la récompense. Donc quelqu'un qui a ce genre de maladie, il doit quand même penser que la prière, c'est Dieu qui lui donne la récompense, ce n'est pas les gens. Donc ça ne sert à rien qu'il montre aux gens pour prier. Oui. Pareil pour savoir si on a cette maladie de ria, on appelle ça. On a tendance à montrer aux gens. Parce que le contraire de ikhlas, sincérité, c'est ria, pour montrer aux gens. Donc, pour savoir, dans des hadiths de nos masoumines, il y a quelques hadiths qui nous disent, pour savoir si on a cette maladie ou non, c'est que cette personne, quand il fait cet ibadat, s'il aime qu'on lui loue, que d'autres personnes le louent par rapport à cet ibadat, ça veut dire qu'il a un problème. Il a fait ça et qu'il aime qu'un, ah, mashallah, Moulana Saïb, il a fait un bon mazlis. Il aime qu'on lui dise ça. Ça lui fait gonfler un peu. Là. Vous voyez? Ça, c'est ce qu'on appelle qu'il a cette maladie. Il a fait ça pas pour Dieu. Et donc, ça, c'est une sorte d'autodiagnostic. Si on a tendance à faire ça, on aurait aimé que les gens ils nous disent du bien par rapport à ce qu'on a fait. On doit se poser la question que c'est pas pour Dieu que vous avez fait ça. Parce que si ça aurait été pour Dieu, ça se pose pas la question que je m'attends qu'il y a quelqu'un qui vient pour me dire, ah, Moulana Saïb, c'est nickel le mazlis que vous avez fait aujourd'hui. Oui, parce que c'était pour Dieu. Et Dieu, il sait. Dieu, il est au courant. Oui. Et Dieu, c'est le cœur qu'il veut, là, c'est pas ma voix, ma belle voix qui intéresse à Dieu, là. Dieu, ce qui lui intéresse, c'est cette sincérité qui est dans mon cœur. Je peux avoir une mauvaise voix, mais Dieu peut accepter mes ibadettes, comme je peux avoir la plus belle voix au monde, mais Dieu n'accepte pas mes ibadettes. Pourquoi? Parce que c'était pas pour Dieu. Donc ça, c'était bat à propos de ikhlas. Pareil, Dieu, il a dit, on doit l'adorer. On doit avoir cette crainte par rapport à notre Seigneur parce qu'en même temps il est miséricordieux, mais il est shadid al-iqab. Il peut aussi nous punir durement. Et il a aussi prévu des punitions. Donc nous devons avoir cette sorte de taqwa au fond de nous. Taqwa, ça veut dire quoi? On doit avoir cette crainte au fond de nous par rapport à notre Seigneur. Et qui dit taqwa dit, nous devons éviter le haram que Dieu nous a dit de faire. Et appliquer ses obligations. Vous voyez? C'est ça le taqwa finalement. Donc l'être humain, il est obligé de savoir qu'est-ce que Dieu il a interdit et qu'est-ce qu'il lui a obligé. Pour cela, il doit se retourner au prophète et au livre céleste. Alhamdoulilah, on n'a qu'un seul prophète, le dernier prophète en ce moment, qui est toujours valable en ce moment. C'est notre dernier prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad.
Muhammad wa ali Muhammad. Et le miracle qu'il a amené avec lui, le Saint-Coran. Donc nous devons savoir ce que Dieu il a dit dedans. Hein? Les maçonnites, ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? C'est quoi nos obligations par rapport à Dieu? C'est quoi nous devons éviter? Mais finalement, quand nous regardons les obligations et les interdits de Dieu, finalement, c'est pour nous-mêmes. Ce n'est pas pour Dieu. Vous voyez, quand Dieu dit « ne faites pas ghiba », il y en a la médisance. Est-ce que Dieu il a un défaut pour qu'il dise que ne faites pas de ghiba, pour comme quoi, peut-être demain, on va dire des choses, alors que Dieu il a une sorte de défaut? Non, Dieu il est parfait. Quand il a interdit le ghiba, c'est pour nous-mêmes, la médisance, parce qu'il sait que les gens, ils ne sont pas parfaits. Moi, je ne suis pas parfait. Donc, pour protéger mon honneur, Dieu il a rendu interdit la médisance. Parce que moi, le grand cheikh, je ne suis pas parfait, je peux faire des erreurs derrière. Donc, pour couvrir mon honneur, Dieu il a rendu le ghiba haram. Il y en a, c'est pour moi-même. Oui. Pareil, Dieu il a rendu haram l'alcool et les drogues, par exemple. Est-ce que, sincèrement, si je bois l'alcool, c'est Dieu qui va devenir ivre? Est-ce que c'est lui qui a un problème? Non. C'est pour protéger moi, en tant qu'être humain, parce que moi, je bois l'alcool, je sais plus ce que je fais. Et tout cet éclatement familial, tous ces conflits, tous ces accidents, hein, tous ces crimes, dus à l'alcool, c'est devenu fléau mondial de l'humanité, l'alcool. Et c'est la seule religion qui a interdit l'alcool par rapport à toutes les religions que nous connaissons. Oui. Donc, finalement, Dieu nous a dit de l'obéir. Et notre obéissance par rapport à Dieu, c'est quoi? C'est appliquer tout ça, finalement, c'est pour nous-mêmes. C'est pour nous-mêmes. Oui. Dieu, il a interdit de tuer les gens sans raison, par exemple. Si ce n'est pas djihad, si ce n'est pas quelqu'un qui nous a attaqué, on n'a pas le droit d'assassiner quelqu'un. Oui. Ou bien, moi, je travaillais toute ma vie, et demain, je vois un qui vient chez moi et qui vole tout ce que j'avais. Vraiment, ça fait mal. Donc, Dieu, il a interdit le vol aussi. Oui. Parce que moi, je travaille toute ma vie durement et tout d'un coup, il y a un qui vient et prend ça en 5 minutes. Oui. C'est difficile de supporter ça là-dedans. Pour que Dieu m'évite ce genre de situation, il a rendu le vol haram. Imaginez un peu si tout le monde appliquait ce que Dieu il a dit. La personne ne volait, personne ne tuait, hein? Personne ne faisait l'adultère, personne ne faisait la médisance. Imaginez un peu cette société qu'on aurait pu avoir si tout le monde aurait été croyant. Oui. C'est la société idéale. Mais on a des croyants et on a des gens qui n'appliquent pas. D'ailleurs, nous devons être croyants et nous devons être mu'min. Vous savez la différence? Il y a une différence entre un mu'min et un muslim. Hein? Il y a une différence entre un mu'min ou un muslim. Un muslim, c'est celui qui accepte, grosso modo, ce que Dieu lui a dit, mais il n'applique pas au niveau action, il n'y a pas. Ça, c'est un musulman. Mais par contre, un croyant et un mu'min, c'est celui qui accepte avec son cœur, sincèrement, le fond de son cœur, le message que Dieu lui a révélé, et en même temps, il l'applique. Il l'applique au niveau de sa vie quotidienne. C'est ça, le mu'min. C'est pour ça que Dieu il dit « Kad afla al-mu'minin »« Kad afla al-mu'minun » Il n'a pas dit « Kad afla al-muslimun » Un musulman, il peut être musulman, 100 000 musulmans qu'on a, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est d'être croyant. Il y en a d'être mu'min. Le iman, et l'islam, c'est différent. Il y a un qui est venu, c'est dans le verset du Coran, où il وَقَالَتَ الْعَرَابِ آمَنَّ. Il vient voir le prophète, il dit آمَنَّ. Mais le prophète dit là, ne dites pas آمَنَّ, ne dites pas que nous avons cru, dites أَسْلَمْنَ. Dites que nous avons accepté l'islam. Parce que le iman, ce n'est pas dans votre cœur. C'est juste un mot que vous avez prononcé. Vous avez dit « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » sallu ala nabi. Donc, ils sont venus chez le prophète, ils ont dit « Nous avons cru ». Le prophète, il a dit « Dieu a dit à son prophète, dis à ces gens-là qu'ils ne disent pas que nous avons cru. Dis à ces gens-là plutôt que nous avons accepté l'islam. » Parce que la croyance, c'est l'action. Oui. Donc, si nous n'avons pas l'action, nous sommes des musulmans, certes, mais ce que Dieu souhaite, nous n'avons pas accepté. Dieu il veut l'action. Parole, tout le monde peut dire, mais l'action que Dieu il veut. Là. Donc, la différence entre celui qui est un musulman et un croyant, c'est ça, c'est qu'un croyant, lui, il pratique à la lettre ce que Dieu lui a dit. C'est pour ça que Dieu dit, « Kad afla al-mu'minun » Ils ont réussi, certes, les croyants. C'est eux qui vont gagner. Dieu n'a pas dit les musulmans.
Donc c'est ça l'importance d'avoir cette croyance au fond de soi, au fond de notre cœur, et en même temps de l'appliquer, parce que c'est ce que Dieu veut. Donc nous devons avoir cette croyance et nous devons pratiquer ce que Dieu nous a dit. Pour cela, nous devons nous référer à son livre et à ses emblèmes qui sont sur cette terre, qui sont les ma'soumines, qui sont censés nous guider et nous montrer la voie pour nous dire, parce que dans le Coran, certes, il y a la guide, il y a la guidée, mais c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas tout le monde qui comprend le Coran. Donc on a besoin des gens pour qui nous expliquent et pour compléter. Par exemple, dans le Coran, c'est écrit faites la salat, mais c'est pas écrit combien de rakat nous devons faire. Et donc ça, c'est au prophète et à ceux qui viennent après lui, c'est-à-dire les masoumines, nos imams, pour nous expliquer que le salat de soub c'est 2 rakat, dhor c'est 4 rakat. Voyez. Donc nous devons suivre ces gens-là. De toute façon, si nous suivons pas, supposons si nous n'avons pas suivi, vous savez, si quelqu'un il est raisonnable, s'il est logique, il est obligé de croire de toute façon. Pourquoi? Parce que on va prendre 2 cas, 2 probabilités. Il y a 1 croyant et 1 non-croyant. Donc il y a 1 qui a cru, qui a pratiqué tout ça, qui a fait son salat, qui n'a pas volé, qui n'a pas violé, qui n'a pas fait d'adultère, qui a fait tout ce que Dieu lui a dit. Il y a 1 autre, c'est vraiment 100% halal, tout est halal. Vous voyez, il tue, il vole, il n'y a pas de problème. On a 2 personnes différentes. Bon, ces 2 personnes, ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et à la fin, ils se sont rendus compte que Dieu n'existe pas. Finalement, qui a perdu? On va dire qu'ils sont plus ou moins en égalité, mais celui qui a cru, il est mieux. Pourquoi? Parce qu'il était un bienfait pour la société où il était en train de vivre, parce qu'il n'a pas volé, il n'a pas dérangé son voisin, hein, il n'a pas tué, il n'a pas violé. Alors que l'autre, le du trou qui était à côté, là, qui n'a pas cru, hein, qui a pris toute cette petite fille et qui a fait tous ces crimes horribles, pour lui, c'était un danger pour la société. Oui. Donc même si Dieu n'existe pas, celui qui ne croit pas, c'est un danger pour la société. Il y en a toujours, le croyant, il est un bienfait toujours, même si Dieu n'existe pas. Mais supposons Dieu, il existe. Supposons que Dieu, il existe. Qui a perdu dans parmi ces deux personnes et qui a réussi? Bien sûr, celui qui a appliqué, qui a fait tout ce que Dieu lui a dit, c'est lui le vrai gagnant, parce qu'il aura la récompense promise par Dieu. Par contre, le mécréant, notre famille du trou, qu'est-ce qu'il en aura? Non seulement il était un danger pour la société où il est rentré en prison, et le jour du jugement, il aura souffrance éternelle. Il aura la souffrance éternelle. C'est pour cela qu'on a aussi dans le hadith, Imam Raza al-Islam, il a dit aussi la même chose. Il y a un athée qui est venu voir Imam Raza al-Islam. Imam Raza lui dit à cet athée, si la vérité est ce que vous dites qui n'est pas le cas, imam précise, si la vérité, c'est-à-dire Dieu n'existe pas, et la vérité est avec vous, ce qui n'est pas le cas, finalement on n'a rien perdu, on est en égalité, c'est que nous avons prié, jeûné, avons donné un zakat, et notre croyance, c'est nous, ça ne nous a pas fait du mal finalement. On a fait quelque chose, mais ça ne nous a pas fait du mal. Par contre, si la vérité est ce que nous disons, nous, et ce qui est le cas, n'avons-nous pas gagné, vous avez perdu? Parce que vous allez avoir la souffrance éternelle devant vous. Donc, de toute façon, quelqu'un qui est rationnel, quelqu'un qui a une intelligence, il est obligé de croire. Parce qu'il a plus de probabilité de gagner en croyant que de gagner en ne pas croire. Donc, quelqu'un, s'il est intelligent, il est obligé de croire. Vous voyez? Donc, nous sommes obligés de croire et nous devons avoir ce signe d'un croyant. Parce que vous voyez, par exemple, je vous donne un exemple, il y a du sucre. Et par manipulation, nous allons voir ce qui lui fait le parti sucré du sucre. On peut plus dire que c'est du sucre. Parce qu'on dit sucre, c'est parce que c'est sucré. Mais par manipulation, j'ai fait en sorte que c'est plus sucré. Bon, on peut plus dire que c'est du sucré. Oui. Donc pareil, un croyant, il a des adjectifs précis que Dieu a dit. Un croyant, il doit être comme ça. Par exemple, la croyance et la mensonge ne vont pas ensemble. Il y en a un croyant, il ne doit pas mentir. Vous voyez? Donc si un croyant il doit être véridique, si on enlève cette partie véridique du croyant, il ne reste plus croyant. C'est comme on a enlevé le parti sucré du sucre et qu'il ne reste plus sucre. Voyez là. Un croyant il ne vole pas. Il y en a, il est honnête. Donc supposons si un croyant il est devenu malhonnête, il vole. Bon.
On ne peut plus dire qu'il est croyant parce qu'il est sorti de son adjectif qui était croyant. Parce qu'un croyant, c'est en même temps, il ne vole pas, il ne ment pas, hein, il applique ce que Dieu lui a dit. C'est ça en fait, tout ça, la croyance. Donc c'est pour cela qu'on a un hadith qui dit « Allah wa tul mu'min khamsa » Signes des croyants, il y a 5. Bon. On a finalement beaucoup de signes de croyants, mais l'imam il voulait insister par rapport à certaines situations qu'ils avaient. Il voulait nous faire comprendre que ces 5-là, vous devez avoir aussi. Oui, mais il n'y a pas que ces 5-là. Sinon, quand on met tout ça dans ensemble, on a une sorte d'adjectif qui peut aller jusqu'à quantité, on va dire, 100 adjectifs, par exemple. Mais là, l'imam il a insisté sur 5. Qu'est-ce qu'il dit ? Allah m'a tout le monde min khamsa. Al-war'u fil khalwa. Il y en a qu'il craint Dieu alors qu'il n'y a personne. Parce que nous avons tendance à craindre Dieu devant les gens. Quand les gens ils sont là, nous devenons le père du muttaqin, le père de celui qui craint Dieu. Mais quand on est tout seul, hein, on oublie Dieu et on fait tout ce qui est possible. Il y en a, on devient le père du shaitan. Alors que quand on est en communauté, on est en mazlis, on est devant tout le monde, on est devant la famille, on devient le vrai croyant. Mais dès qu'on se retrouve tout seul, on devient le père du diable. Oui. Donc le premier signe du croyant, imam, il dit, ça vient du imam Zain al-Abidin al-Islam, il dit « Al-war'u fil khalwa » Il y en a avoir peur de Dieu même s'il est tout seul. Oui. « Wa as-sadaqatu fil qilla » Il y en a, il doit donner même s'il n'a pas. Il doit donner un sadaqa même s'il n'a pas. Oui. Il y en a quelqu'un, s'il arrive à avoir peur de Dieu alors qu'il est tout seul, que personne ne le voit, donc c'est ça le but, il a réussi, il a atteint le but. Donc il fera jamais, il va jamais désobéir Dieu devant la public parce que tout seul il n'a pas désobéi. Pareil, quand il n'a pas assez, il est un peu, il n'est pas riche, malgré ça il donne un sadaqa. Quand il a pu faire ça, même quand il est riche, après c'est facile pour lui. Voyez. Donc alhamdoulillah, Dieu nous a donné quand même cette ni'mat. Alhamdoulillah, on n'a pas de problème vraiment au niveau financièrement. Donc n'oublions pas que nous devons quand même remercier Dieu. Donc pour cela, nous devons quand même pas oublier d'aider les pauvres. Nous devons payer nos khums, nos zakat, tout ça. Il y a plein de gens qui sont dans la besoin en ce moment. Oui, alhamdoulilah, nous avons une bonne situation en ce moment. Mais regardez ailleurs. Regardez ailleurs. Donc nous devons être aussi un peu... Nous ne devons pas être ingrats par rapport à ce que Dieu nous a donné. Donc de temps en temps, nous devons donner. Mais les signes d'incroyance, c'est quoi? Même s'il n'a pas, il donne. Vous voyez, donc c'est le deuxième signe. وَالصَّبْرَ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ Il y en a quand il a des malheurs, il fait sabre. Vous savez, j'ai entendu, j'ai vu des gens, quand ils ont perdu leur fils ou leurs enfants, tout de suite, ils se sont commencé à dire, mais Dieu n'existe pas. Vous voyez? Et en parlant du sabre, vous savez, le sabre, c'est parmi les choses. Je peux dire, peut-être c'est le summum de la croyance, le sabre, parce que souvent, la plupart de nos problèmes, c'est parce que nous avons manque de patience. Si nous avons patienté une heure, deux heures, trois heures, nous avons réglé plein de problèmes. C'est pour ça que dans le hadith, il y a le sabre, c'est par rapport au corps, par rapport, c'est comme la tête. Le sabre par rapport à la croyance, c'est comme la tête par rapport au corps. Si on enlève la tête, ça ne sert plus à rien d'avoir ce corps. Il y en a, c'est un corps qui est inutile. Si on me décapite, parce que je suis mort et je ne sers plus à rien. Donc le sabre par rapport à la croyance, c'est la tête de la croyance, le sabre. Si on n'a plus le sabre, il y en a, ça ne sert plus à rien parce qu'on est quelqu'un de mort. Donc faire sabre dans le musibah. Et pareil, le sabre, il y en a, être patient dans le malheur. Il faut être aussi patient de ne pas faire des péchés. Parce que deux fois, j'ai le choix de faire le péché ou non. Je le sois de voler en ce moment, par exemple. Là, il n'y a personne qui me voit, et donc je vole. Ça aussi, on a besoin de sabre. Donc, je dois faire sabre parce que c'est Dieu qui m'a dit ne vole pas. Donc, je dois faire sabre et je dois dire Dieu va me donner de toute façon. Si ce n'est pas sur cette terre, Dieu va me le donner dans l'au-delà. Donc, je fais sabre. Donc, on a besoin de faire sabre dans le musiba, dans le malheur. On a aussi besoin de faire sabre dans tout ce qui est désobéissance de Dieu. Et aussi, on a besoin de faire sabre aussi dans l'obéissance. Parce que pour se lever tôt le matin, hein, il faut aussi sabre. Je dois être patient aussi là. Oui. Je dois être patient. Ou bien pour faire salatul layl, ou bien pour lire le Coran, alors que j'ai d'autres choses à faire, je dois être patient. Je dois vraiment avoir cet esprit de patience. Vous voyez?
Toutes mes amies, ils s'éclatent, moi je ne peux pas m'éclater. Donc il faut vraiment avoir besoin de sabre pour que je résiste face à tous ces démons qui m'incitent à faire du mal. Hein? Donc, l'imam il dit, as-sabr inda al-musiba wa al-hilm inda al-ghadab. Yani, je dois être gentil au moment où je me mets en colère. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Ça. Vous voyez? L'imam il dit, parmi les signes des croyants, si on n'a pas ces adjectifs, ces qualités, on sort de notre croyance, yani, on n'est plus des croyants. Vous voyez? C'est comme on enlevait ce qui fait du sucre, le sucré, ça ne reste plus du sucre. Donc, rester gentil dans un état où on est en colère, il faut être vraiment fort. Oui. Et pareil, parmi les outils du diable, c'est la colère. Parce que l'être humain, quand il n'est pas en colère, c'est lui qui mène le cheval. Mais quand il se met en colère, c'est le cheval qu'il mène. Il ne contrôle plus. C'est pour ça que dans le hadith, il dit que quelqu'un qui est en colère, c'est comme c'est quelqu'un qui est fou. Il ne se contrôle plus, il ne sait plus quoi il fait, qu'est-ce qu'il fait. Il arrive même à tuer. Hein? À tel point il se met en état de colère qu'il tue sa propre famille, son enfant, sa femme par exemple, juste parce qu'il s'est mis en colère 5 minutes et ces 5 petites minutes a tout gaspillé dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas contrôlé. Donc pour contrôler ce colère, on a aussi dans le hadith pour nous dire que pour nous calmer, si on se met dans un état de colère, nous devons nous dire que Dieu le Tout Puissant, il est aussi gentil avec sa créature. Pourquoi moi qui est l'être le plus faible, se doit mettre en colère? N'est-ce pas, Dieu il est gentil avec nous là? Il est miséricordieux. Malgré tous ces gens qui le désobéissent, il envoie toujours la pluie. La majorité des gens sur cette terre désobéissent Dieu. Mais malgré ça, le ni'mat de Dieu, ça continue à venir toujours là. On mange toujours à nos fins. Vous voyez, Dieu il aurait pu couper tout ça là. Il y en a, nous devons nous dire que Dieu, le Tout-Puissant, il ne se met pas en colère. Donc moi aussi, je dois quand même être gentil avec ma famille. Et c'est pour ça qu'on a dans une des signes de croyance aussi, celui, il a atteint la réalité de croyance, c'est celui qui est le plus gentil avec sa famille. Oui. Et pareil, s'il est en colère, s'il est en état, s'il est debout, il doit s'asseoir, s'il est assis, il doit dormir. Il doit changer d'air, ou bien il doit sortir par exemple, pour contrôler sa colère. Oui. Donc l'imam il dit, « Al-hilm indal » Ghadab. Il doit être gentil au moment où il est en colère. Et le cinquième signe, alayhi salam, as-sidq ind al-khawf. Il doit toujours dire la vérité même s'il a peur. Deux fois, on a un magasin, on a peur que personne ne va acheter ce qu'on a acheté, donc on ment. On dit que ça, c'est d'origine. Ça ne vient pas de Chine, c'est pas marque piratée par exemple. Oui, parce qu'on a peur que personne ne va acheter. Pourquoi tu as peur de toute façon, hein? Tu oublies que Dieu est en train de te voir, là, que tu es en train de gagner ta vie malhonnêtement. Le jour du jugement, tu auras des comptes à rendre. Donc, lui, même s'il a peur, deuxièmement, il a peur, par exemple, que sa famille va être déshonorisée. Et malgré ça, il doit dire la vérité. Il doit dire que c'est lui, mon frère, qui a tort dans cette histoire, même si c'est son frère. Il doit dire la vérité, même si c'est contre lui. C'est pour ça que parmi les signes de la croyance, la croyance ne rime pas avec le mensonge. Si quelqu'un il ment, il sort de son qualité en tant que croyant. Oui. Pareil, Dieu dit dans le Saint-Coran, « Qad afla al-mu'minun al-ladhina fi salatihim khashi'un » On réussit certes les croyants qui, dans leur salat, se mettent dans un état de peur. Ils sont humbles. Vous voyez. Donc comment dire de ceux qui font le salat, ils se mettent dans un état de Bermuda par exemple, hein? Débardeurs et ils font salat comme ça là. Ça, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont vraiment peur de leur Seigneur? Deux fois c'est un petit short comme ça, ils se mettent à prier. C'est comme ça qu'on se présente devant son Dieu, le Tout-Puissant. Dieu dit qu'ad aflaha al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. On réussit certes les croyants. Qui sont les croyants? Ceux qui font salat, ils sont dans un état de humble. Ils sont humbles. Ils sont dans un état de... Ils ont peur finalement. Il y en a, ils baissent la tête comme ça. Et non pas comme nos frères, certains frères, ils ouvrent le pied grand comme ça, ils se mettent comme ça. Ils se mettent en état d'orgueil devant leur Seigneur. Alhamdulillah, nous, Dieu nous a montré la façon de prier. Quand on compare les deux façons, on voit que chez nous, on a plus de peur que là-bas au niveau position. On a la tête, les deux bras comme ça, et on a la tête baissée. Alors qu'ailleurs, peut-être c'est... Quand on voit de loin, on a l'impression qu'il se met devant Dieu en état d'orgueil.
Alors Dieu dit, non, mets-toi devant moi en état de crainte. Oui. Après, qu'est-ce qu'il dit Dieu, وَالَّذِينَ هُمْ أَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. Il y en a qui s'éloignent de tout ce qui est futile, qui n'a pas de sens, qui ne va servir à rien. Juste, c'est des choses pour perdre le temps. Donc, les croyants, ils s'éloignent de toutes ces choses-là. Ils ne perdent pas leur temps pour des choses qui n'ont pas de sens. Passe-temps qui ne sert à rien. Vous voyez tous ces gens-là qui dépensent des sommes juste pour faire des choses qui ne servent à rien, finalement. Donc, un croyant, lui, il est loin de tout ça. Après, qu'est-ce qu'il dit ? وَلِلزَّكَاةِ فَعَيْلُونَ. En même temps, le croyant, il donne aussi, il n'oublie pas les pauvres. Vous voyez, finalement, toutes ces choses qu'on donne en zakat ou khumb, ça sert finalement pour faire de bonnes choses. À construire des orphelinats, à construire des mosquées, à construire des centres islamiques. Et même nous, notre hausa, ça dépend des gens qui donnent le khumb. Si ces gens-là ils n'auraient pas donné le khumb, nous, notre hausa, peut-être, à Najaf, ça aurait coulé. Vous voyez, ça sert à faire du bien. Donc, donnez de vos biens avant que la mort ne vienne. Parce que la mort, quand ça vient, c'est trop tard. Oui. Donc Dieu dit وَلِلزَّكَاةِ فَعَيْلُونَ وَالَّذِينَهُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ. Ces gens-là, ils protègent leur partie intime de tout ce qui est haram. Ils protègent leur partie intime de tout ce qui est haram. Ils ne font pas l'adultère et ainsi de suite. Oui. C'est ça le croyant. Ils utilisent leur partie intime uniquement parce que Dieu les a rendus halal. Oui. Après, plus loin, Dieu il dit وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَأَحْدِهِمْ رَاعُونَ. Il y en a quand il y a un dépôt, moi quand je confie quelque chose à quelqu'un, à un croyant, lui il doit bien respecter ce dépôt et non pas l'utiliser ou le voler ou le jeter. Vous voyez? Ou bien quand il s'engage, par exemple, moi je veux venir par exemple à 2 heures, il doit honorer son engagement. Oui. Finalement, on a tout ça, mais ce sont peut-être les Européens, qui utilisent notre signe de croyance parce qu'eux, ils respectent vraiment les heures. Oui. Donc c'est ça finalement, وَالَّذِينَ لِسَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Pareil, Dieu il a répété deuxième fois le mot salat dans le même surat. Il y en a ces gens-là, par rapport à leur prière, ils respectent leur prière, il y en a, ils accomplissent leur prière. Et non pas à la carte, aujourd'hui j'ai prié et demain je ne prie pas. Donc ça, c'est parmi les signes de la croyance, il y en a beaucoup, mais par faute de temps, je ne vais pas continuer. Mais voyez, le signe de croyant, nous avons vu le jour de Ashura à Karbala. Ou même avant cela, Imam Ali al-Hassan, il a fait la guerre de Siffin. Ils ont laissé la guerre, ils ont fait le salat, les combattants, ils ont dit, mais on est en train de faire la guerre. Imam il a dit, mais nous faisons la guerre pour la salat, pour la prière. Donc nous devons faire la prière. Pareil, le jour de Ashura, quand vous avez vu, alors que la situation était très grave, l'imam Hussein al-Islam, il n'a pas laissé le salat. Malgré que c'était... Ils ont fait le salat de khawf, salat de ceux qui ont peur, mais n'ont pas laissé le salat. C'est lui notre imam. Imam, ça veut dire quoi? Quand il se lève, je me lève. Quand il s'assoit, je m'assois. Donc moi, quand j'ai accepté l'imam Hussein al-Islam en tant que mon imam, je dois aussi voir ce qu'il a fait. Premièrement, il s'est soulevé. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est pour faire Amr bil Ma'ruf ou Nahyan bil Munkar que je me suis soulevé. Donc moi qui prends Imam Hussein al-Islam en tant qu'imam, je dois aussi, au moins dans ma vie, faire le minimum, c'est-à-dire je dois faire aussi Amr bil Ma'ruf ou Nahyan bil Munkar. Pareil, Imam Hussein al-Islam, il a dit, quelqu'un comme moi ne va jamais accepter le système de quelqu'un comme Yazid. Yazid, c'était quoi? C'était l'alcoolisme, c'était la débauche, c'était l'éclatement total, tout était halal, c'était le terrorisme. Donc moi, en tant que celui qui a accepté imam, en tant qu'imam, je dois aussi tenir compte de toutes ces choses-là. Je dois m'éloigner de tout ce système qui est le système de Yazid. C'est ça, Imam Hussein alayhi salam. Si j'ai accepté imam comme imam, et de toute façon, comme vous avez dit, l'être humain n'a pas le choix, il est obligé de suivre tout ça, sinon il prend un grand risque. Donc nous arrivons le jour d'Ashura. Après que tous les partisans d'imam furent tués dans le combat, Ali Akbar, son fils, s'avança devant son père. Il lui demanda la permission d'entrer dans l'arène sanglante d'où aucun membre de son camp n'était revenu vivant. Imam Hussein le regardant un long moment sans répondre. Il contemplait le visage de celui qui rassemblait et s'y méprendre à l'envoyé de Dieu. Car Ali Akbar, il avait une ressemblance à son arrière-grand-père. Il ressemblait à l'envoyé de Dieu.
L'imam Hussein le regarda un long moment sans répondre. Et le visage de celui qui ressemblait à s'y méprendre à l'envoyé de Dieu. Tout dans ses traits, sa voix, ses manières évoquaient le saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Imam lui envoya demander la permission de sa maman Umme Layla et sa tante Zainab, qui l'entourait de son amour depuis sa plus tendre enfance. Plus encore que ses propres fils, Ali Akbar pénétra dans la tente où se trouvaient sa mère Umme Layla et sa tante Zainab. Les deux femmes étaient plongées dans la contemplation du champ de bataille. Elle savait bien que maintenant que tous les fidèles chiites de l'imam Hussein avaient donné leur vie, le tour de ses fils, de ses frères et de ses neveux était venu. Ce n'était plus qu'une question de temps. Ce n'était plus que la question de savoir qui irait le premier. La présence d'Ali Akbar le tira de leur pensée. Zainab rompit le silence. « Mon Dieu, ce n'est pas possible qu'Akbar soit venu nous dire adieu. » Akbar, ne nous dis pas que tu es prêt pour ton dernier voyage. Aussi longtemps que mes fils Aoun et Muhammad seront en vie, je ne te laisserai partir. Ali Akbar connaissait l'amour que lui portait sa tante Zainab et qui n'était surpassé que par celui qu'elle éprouvait pour son frère Hussein. Il la regarda, il regarda sa mère. Il ne savait comment leur dire qu'ils s'étaient préparés au voyage sans retour. « Ma tante, l'heure inévitable est arrivée, » a dit Ali Akbar. « Au nom de l'amour que tu portes à ton frère, je te supplie de me laisser partir au combat. Mon oncle Abbas commande notre troupe, c'est lui le porte-étendard de notre troupe. Tous les autres sont plus jeunes que moi. » Quand la mort est certaine, laisse-moi mourir le premier afin que je puisse étancher ma soif à la source de Kawthar, demain de mon arrière-grand-père, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Zainab sanglota, Akbar, mon enfant, si l'appel de la mort est parvenu jusqu'à toi, alors va. Umme Layla, la mère d'Ali Akbar, qui était resté muette d'angoisse, n'est plus que dire « Que Dieu soit avec toi, mon fils. Avec toi, je perds tout ce que je possède et tout ce qui m'importe en ce monde. Ton père m'a déjà prévenu de ce qui m'attend. Après toi, pour moi, plaisir et souffrance, il n'y aura aucune différence entre eux. » Sur ces mots, elle tomba sans connaissance dans le bras d'Ali Akbar. Les clameurs de guerre poussées par l'ennemi devenaient de plus en plus fortes. Ali Akbar savait que s'il ne s'élançait pas rapidement dans la bataille, les hommes de Yazid, frustrés de leur soif et sans se jeteraient à l'assaut du campement, où nul ne pourrait secourir les femmes et les enfants. Il remit délicatement entre le bras de Zainab le corps toujours inerte de sa mère. Ali Akbar retourna auprès de son père. Sans un mot, Imam Hussein se leva. Il enroula le turban du saint prophète autour de la tête d'Ali Akbar, assujettit le fourreau de son arme et déposa un baiser sur son front. D'une voix blanche, il dit « Va Akbar, va Akbar, Dieu est avec toi. » Ali Akbar sortit de la tente, suivi par l'imam Hussein. Il voulut enfourcher son cheval, mais quelqu'un le tirait en arrière. Il se retourna, c'était Soukaina, sa jeune sœur, qui implorait. « Ne pars pas, Akbar, ne va pas là-bas, Akbar, d'où personne n'est revenu depuis ce matin. » Ali Akbar prit dans ses bras la petite fille, il l'embrassa et la reposa sur le sol. Il ne pouvait parler, il marcha. Ali Akbar s'arrêta face aux dévorants ennemis. Il leur parla avec l'éloquence qu'il avait héritée du saint prophète. Il leur expliqua les raisons et les sens de leur combat et leur persuada qu'en versant le sang du petit-fils de l'envoyé, ils encouraient la colère de Dieu et son prophète qui aimait tant Hussein alayhi salam. Le plus âgé s'est frotté les yeux et s'est demandé avec stupéfaction si le prophète en personne n'était pas descendu du ciel pour les empêcher de verser le sang de Hussein. Omar ibn Saad vit que quel effet les paroles d'Ali Akbar produisaient sur ses hommes. Il convaincut les plus cupides d'entre eux d'affronter un combat singulier le vaillant jeune homme.
affaiblis, mais c'est la mort qu'ils rencontrèrent l'un après l'autre. Il eut vite fait de se débarrasser de tous ceux qui avaient eu la folie de l'attaquer. À son tour, il défia l'ennemi, mais personne n'osait plus venir se mesurer à lui. Puisque les ennemis ne se décidaient pas à venir l'affronter, il se retourna vers le camp assiégé pour faire un dernier adieu à ses proches. Imam Hussein l'embrassa avec joie, il a dit « Bravo mon fils, je suis fier de toi, ton courage et ta dextérité me rappellent le combat de mon vénéré père Imam Ali alayhi salam. » Avec cette différence que lui ne se battait que contre les ennemis, alors que toi, tu dois aussi lutter contre la faim et la soif. Ali Akbar repartit au combat. Imam Hussein fit quelques pas derrière lui comme un pèlerin qui suit l'agneau du sacrifice à Mina. Il pria, oh mon Dieu, tu es témoin aujourd'hui que j'ai sacrifié l'être que j'aime le plus au monde. Pour la cause de la justice et de la vérité, Imam Hussein entendit bientôt un appel déchirant le cri d'agonie de son fils Akbar, Ali Akbar. Ali Akbar a dit, Père, je suis touché, à moi, Père, viens près de moi. Père, si tu ne peux pas arriver jusqu'à moi, je te salue ainsi que ce que j'aime. Imam Hussein entendait cet appel, il savait que, quelle que soit sa vaillance et son habileté, son fils ne pourrait pas tenir tête bien longtemps à toute l'armée de Yazid. Abbas vint au secours de son frère et le soutint jusqu'à ce qu'ils parvinrent tous deux auprès du jeune homme. Ali Akbar est posé au milieu d'une mare de son sang. Hussein tomba sur le corps de son fils, le supplia de parler ou au moins d'ouvrir les yeux. Mais Akbar ne parlait pas, mais Akbar ne bougeait pas. Le dernier bout de la vie achevait de couler d'une large blessure ouverte dans sa poitrine. Ah, Imam Hussein posa sa joue contre celle de son enfant. Il le supplia d'ouvrir les yeux une dernière fois. Un pâle sourire finit par se dessiner sur les lèvres d'Ali Akbar. Un bref instant, puis il rendit l'âme. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. على لعنة الله على الظالمين اللهم الآن أول ظالمين ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابعين له على ذلك tous ensemble nous lisons le verset d'Amma Yujib al-Muttara pour la guérison de nos malades si on a des malades, pour exaucer nos voeux, pour résoudre nos problèmes, pour nous protéger et pour accélérer la venue de notre imam Ajjal Awtara Farajahu Sharif. Tous ensemble. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله يا الله يا الله بحق الحسين والشهداء كرملا اللهم اغفر لنا وارحمنا وتوب علينا اللهم اغفر لأمواتنا أموات الحاضرين اللهم اشف مرضانا اللهم اشف كل مريض اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك اللهم اقض عنا الدين وعقلنا من الفقر انك انت على كل شيء قدير اللهم واجل فرج امام زماننا واجعلنا من انصار واعوان وارزقنا الشهاده بين يدي تصصمل اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين